direct de la brasserie, ma brasserie, sur la rue Hope à Montréal. Mon nom est Jérôme Brisson et bienvenue à cet entretien de poprock.ca. À la technique, à la caméra et à la prise de son, mon collègue Brisé. Aujourd'hui, nous recevons en entrevue les membres du groupe Anonymous qui se produiront en spectacle le samedi 13 avril au Club Soda avec The Agonist, Goon Lunatics et Carcaos. Anonymous célèbre son 30e anniversaire cette année avec le lancement d'un tout nouvel album intitulé Sacrifice. Nous en avons discuté avec le bassiste-chanteur Oscar Souto. Yeah! Pour votre plus récent album Sacrifice, vous avez réalisé une vidéo pour la pièce La Mèche Echo. Oui. Jouer live devant nos fans durant notre lancement privé. On avait comme une cinquantaine de personnes qui étaient là, qui ont gagné des concours, puis qui sont venus. Puis, c'est les vrais fans. C'est des fans qui ont participé à un concours, qui sont venus avec leur chum. Puis, c'était quelque chose d'intime. T'sais. Puis finalement, ben, on a fait la chanson une couple de fois. On s'entend que on passait la toune puis on faisait ensemble de jouer, mais on a quand même joué, puis le monde était dedans, tu sais. Puis c'est le fun de voir les gens par-dessus chanter la chanson, puis se laisser aller. Mais le montage, je dois avouer, qui est fabuleux, c'est mon frère Daniel, qui est également dans l'Animus, qui a fait le montage avec l'aide de Benoît Nantel. Donc, je pense que ça a donné quelque chose de vraiment dynamique. D'organique, tu veux dire. Quand tu vois cette vidéo-là, tu vois juste quatre gars jouer en face d'une cinquantaine de personnes, puis tu vois la cinquantaine de personnes triper comme des malades. La musique parler. Oui, en fait, oui, c'est ça. C'est quand moi j'ai vu le montage, j'ai fait OK, c'est super simple, c'est super dynamique. Tu sais, il y a comme un genre de crescendo. Tu sais, comme on commence à jouer, tu vois pas la foule. À un moment donné, aux trois quarts de la tune, tu commences à voir la foule, puis tu commences à voir que les gens se déchaînent un peu. Fait, c'est un petit peu comme ce qu'on dégage. C'est comme. On n'est pas méchants, tu sais. C'est un bon condensé de ce qu'est Anonymous. Oui, c'est comme les gens sont là pour se défouler, tu sais. Puis souvent, les gens nous disent, moi, j'aime tellement ça, votre musique, ça me défoule, tu sais. Puis après ça, ben, je suis doux comme un ours. C'est ça le but de notre musique. Thérapeutique, tu sais. On n'est pas là pour engendrer de la violence. On est là pour faire passer la violence que vous avez à l'intérieur de vous-même, tu sais. Même pour moi. On appelle ça cathartique. Oui, c'est ça. Cathartique. Fait que là, ça l'aide à passer à travers, tu sais, toutes les frustrations que tu as. Ou bien tu joues du Anonymous, ou bien tu en écoutes, mais ça fait du bien.